As an Indigenous woman from my community, it is very important that we speak for ourselves and not speak for other people. And without them, everybody here to speak for themselves, we cannot have an equal gathering and move forward in a balanced way. And this is unfortunate because that means we have a long way to go before we win our fight against the nuclear monster. So, thank you. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir deux intervenants. La première, Cécile Assanouma-Brice, qui se présente dans l'écran. Bonjour, Cécile. Spécialisée en sociologie urbaine, chercheur associé au Centre de recherche MAE, CNRS, de la Maison franco-japonaise de Tokyo, et chercheur associé auprès de laboratoire CLERS, CNERSE, de l'Université de Lille. Donc, on discutera avec elle en Skype. Le second invité, Roland Desbordes, à ma gauche, président de CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, que beaucoup de gens parmi nous connaissent. Cet atelier consiste à cerner la question de la stratégie de l'ignorance de lobby nucléaire français et international à partir de projets ethos de la période de Tchernobyl jusqu'à nos jours, en rapport avec la catastrophe de Fukushima, pour savoir son système, ses influences et la domination de lobby nucléaire afin de comprendre pourquoi il y a tant de minimisation et de mensonges, voire négations sur les conséquences sanitaires depuis Tchernobyl. Chacun présentera un exposé et pendant 25-30 minutes et nous aurons ensuite environ une heure de discussion avec la salle. En outre, je vous informe aussi qu'on aura une projection de documentaire IKT, Chronique d'un village contaminé, de Toshikuni Idoi, et sera projeté demain soir dans le cadre de caméra politique de Forum à 14h45 à la salle Jandam. Ce n'est pas dans les trois lieux désignés pour le Forum, mais une salle municipale de la mairie de 12e qui nous a accepté de nous offrir une salle pour la projection. Ce forum, ce film est très intéressant parce que il y a certaines séquences réelles, concrètes, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la stratégie de l'ignorance, notamment dans le village Itate. Voilà, je commence à passer la parole d'abord à Cécile Assanouma-Brice et ensuite Roland Desbordes parlera ethos dans la période de Tchernobyl. Et puis moi je parlerai ethos à Fukushima et puis son développement, plus ou moins récent depuis la fin des années 2000. Voilà. À toi, Cécile. Merci, Pauline, pour ta présentation. Je vais tenter de garder les idées claires. Il y a quelqu'un aussi. Je vais prendre un développement chronologique pour vous expliquer comment toute cette stratégie de mise en place de l'ignorance est mise, s'est élaborée au cours du temps. Donc mon exposé est un petit peu long, je vais essayer d'aller vite. Si vous avez des questions sur des points plus particuliers ensuite, vous me poserez des questions. C'est pour ma part via des travaux sur la notion de mensonge, le mensonge d'État, le mensonge administratif, le mensonge scientifique, etc., que j'ai été confrontée à cette notion de production d'ignorance. Nous avons beaucoup parlé tout au long de la tentative de gestion de cette catastrophe, qu'est l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, du mensonge qui fut
et est toujours omniprésent, bien qu'a priori pouvant être contrecarré par la masse d'informations, parce qu'il y a beaucoup d'informations en ligne, un petit peu partout, qui est présente, si tant est que l'on se donne la peine de la chercher un peu. Les travaux que j'ai effectués sur cette question m'ont orienté vers divers ouvrages. Bien sûr, c'est le terrain qui m'a fait m'interroger sur tout cela. Et j'ai ressenti à un moment donné la nécessité d'aller lire les questionnements qu'avaient développés notamment des philosophes, parmi eux Anna Arendt, ou bien Gunther Anders, Derrida, Foucault, Max Weber, plus récemment des travaux plus pragmatiques comme ceux de Japonais, puisqu'on cite toujours les Français ou bien ceux que l'on connaît, mais il y a aussi beaucoup de travaux ici, notamment quelqu'un qui s'appelle Kyo Kageura, qui est chercheur à l'université de Tokyo, qui a fait deux ouvrages sur ces questions, sur la manipulation des discours qui étaient tenus par les scientifiques après Fukushima, ou bien Goto Shinobu, qui lui est un scientifique aussi de la faculté de Fukushima. Et puis en France, on a Anita Bomoni, qui est peut-être parmi nous, de l'INSERM, qui via son ouvrage « La science asservie » ou encore « La servitude nucléaire », nous explique un peu comment toute cette production de l'ignorance s'est produite. Également les livres de Stéphane Foucault, mais plus particulièrement son ouvrage intitulé « La fabrique du mensonge ». Ces deux derniers ouvrages décrivent la façon dont les industriels embauchent des chercheurs afin de justifier la viabilité de leurs produits, combien même celui-ci serait néfaste pour la santé. Ce fut le cas pour l'essence il y a bien longtemps, mais l'essence est toujours là. Ce fut le cas pour le diesel, et on le sait, le diesel pose toujours les mêmes problèmes, pour l'industrie du tabac, pour les OGM, etc., et évidemment pour le nucléaire. Donc, à l'occasion d'une série de conférences sur la question organisée par Robert Proctor en 2011, Stéphane Foucault avait déjà publié un article dans le journal Le Monde, dans lequel il expose les mécanismes de la production d'ignorance et de la science qui les étudie. Cette science a un nom, ça s'appelle l'agnotologie, qui est un terme qui a été inventé par Robert Proctor à l'origine de tout ça. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, Proctor définit en détail dans un ouvrage collectif qu'il a dirigé, qui s'appelle « The Making and Unmaking of Ignorance », paru en 2008 aux éditions de l'Université de Stanford, ce qu'est l'agnotologie, en soulignant que nous sommes experts pour parler de ce que nous connaissons, mais que nous n'évoquons que rarement ce que nous ne connaissons pas. Et pourtant, il semblerait que certains se chargent de ce travail pour nous, dans des sphères qui ne nous sont pas toujours bénéfiques, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous y attarder aujourd'hui. Cette science, donc, qu'est l'agnotologie, consiste à étudier les systèmes, les organisations et autres institutions qui ont renversé ce qu'ils nous disaient être de leur devoir, soit l'enseignement du savoir. Tout chercheur se donne pour devoir d'enseigner le savoir. Et ces gens-là se sont transformés en des systèmes, des machines, des institutions même, productrices d'ignorance. Robert Proctor explique la façon dont la science peut se rendre complice de cette démarche, et dans certains choix politiques et ou économiques irrationnels, donc l'irrationalité ici peut provenir de diverses raisons, mais principalement il s'agit de conséquences néfastes pour la santé, eh bien il a fallu produire d'une part une information scientifique qui soit fausse, afin de semer le trouble. Et d'autre part, déformer ce que l'on sait, afin que le doute se confirme, et mettre un voile sur ce que l'on ne sait pas, afin de nier en quelque sorte notre ignorance. Ce qui a pour conséquence de faire croître cette ignorance. C'est ce qu'on appellera donc la production d'ignorance. Ce processus est applicable à de très nombreux thèmes, mais il est flagrant dans le contexte de la gestion des conséquences de l'accident de Fukushima, situation qui implique, si on souhaite la comprendre dans son intégralité, de mettre en action plusieurs champs, plusieurs domaines de l'analyse scientifique. Slide suivante.
la production de l'ignorance. L'ignorance, c'est la force, disait le gros cité Orwell, mais dans une société où de multiples vecteurs permettent un accès quasi permanent à l'information, il devient difficile de maîtriser ce qui doit être su de ce qui ne doit pas l'être lorsque l'on est politicien, lorsque l'on a à faire des choix pour un pays. Et afin de préserver la confiance de la population, sans laquelle il est impossible de gouverner, il s'est agi de mettre en action des mécanismes de production d'ignorance afin de semer le trouble et pouvoir ainsi garder la main mise sur le pouvoir de décision. Le fait que tous les points de détail ne soient pas résolus permet en effet de donner l'illusion qu'il y a un débat sur l'ensemble de la question. D'où la mode des controverses, tout est voué à débat, comme on le sait, on est en plein de temps maintenant, lancés par des débats qui sont lancés par ceux-là même qui cherchent à faire accepter l'inacceptable. Alors j'ai juste un petit point d'attention, il ne s'agit évidemment pas de faire une analyse sous l'angle de vue de la théorie du complot, on est bien d'accord, mais bien une analyse des stratégies politiques mises en place depuis la catastrophe. C'est donc par ce filtre que je présenterai, dans la démonstration qui va suivre, la politique du logement et son impact sur la gestion de la population à Fukushima, puisque c'est ce que j'ai analysé depuis 2011. Slide suivante. Donc quand on traite de la politique du logement et de son impact sur la gestion de la population à Fukushima par le filtre de la production d'ignorance, la nécessité de comprendre les divers champs académiques qui ont été mobilisés afin de faire aboutir au but ultime de la gestion d'un accident nucléaire dans une société qui a décidé de poursuivre le nucléaire. Donc toute la politique qui a été mise en place, elle a été mise en place parce que le gouvernement japonais avait décidé de poursuivre le nucléaire. Donc il fallait faire en sorte d'éviter d'abord les mouvements de population, le refuge, afin de montrer que nous sommes capables de gérer un accident nucléaire, ce qui est, dans les faits, on le sait, absolument ingérable. Donc ça a demandé, donc vous voyez sur mon petit schéma, à la fois traiter les questions épidémiologiques, puisque prendre la décision de faire réfugier une population ou non implique que l'on sache si la situation est dangereuse épidémiologiquement ou non. Ça a aussi nécessité d'impliquer la communication du risque, une politique sur la communication du risque, je m'étendrai un petit peu plus là-dedans, qui a été basée notamment sur l'utilisation du concept de résilience, sur la physique, avec toutes les théories autour, et pas que les théories de la décontamination, la politique de décontamination, et puis dernier point, sur les aspects psychologiques. Slide suivante. Donc je vais vous présenter les 6 postulats de la production d'ignorance que nous avons choisi de traiter ici. Ça n'est pas exhaustif, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Mon premier point sera la production de l'ignorance par le mensonge. Le second, la production de l'ignorance par le détournement de l'attention d'un objet de la connaissance à un autre objet de la connaissance. Le troisième point sera la production de l'ignorance par l'oubli de ce qui est connu. Le quatrième, la production de l'ignorance en prenant comme point de départ la réflexion de ce qui est connu. Excusez-moi. Et en ignorant l'inconnu, alors que on est chercheur, a priori, on est voué à faire des recherches sur ce qui est inconnu, pas sur ce qui est connu. Le cinquième point, c'est la production de l'ignorance en occultant ce que l'on ne veut pas connaître, pour ne pas avoir peur, ou bien pour ne pas avoir à porter la responsabilité de ce qui se passe, en s'en rendant complice. J'expliquerai ça aussi plus tard. Et puis le sixième point, c'est la production de l'ignorance par l'information sur une technique qui engendre la désinformation sur une situation. Je reviendrai aussi là-dessus en détail tout à l'heure. Je vais passer directement à mon premier point, soit la production d'ignorance par le mensonge. Tsugi no slide, please.
cela et dans l'imagerie. Donc la production par le mensonge, ça a été tout d'abord sur le nombre de réfugiés. J'avais élaboré un certain nombre de cartes et puis je me suis rendue sur le terrain pour m'apercevoir assez rapidement que les chiffres officiels qui nous étaient donnés étaient totalement faux, puisque pour être compté dans cette base de données, il fallait que les gens, avant de partir, s'enregistrent à la préfecture pour déclarer leur départ, ce qui leur faisait perdre beaucoup de droits qu'ils pouvaient avoir, notamment le suivi sanitaire gratuit, etc. Donc, une bonne partie d'entre eux, aussi dans l'incertitude de savoir s'ils pouvaient rentrer ou pas, ne se sont pas enregistrés dans ces bases de données du refuge. Alors, ça arrangeait bien le gouvernement, puisque ça a permis de minimiser la situation, les vagues de personnes qui partaient, et donc de faire croire que finalement, les gens acceptaient en partie le fait de pouvoir rester. Ce qui nous a donné la chance. Et puis, je me suis attachée ensuite aux cartes de contamination. Celle-ci, c'est une carte de contamination qui nous provient du MEF, donc le ministère de la Recherche du gouvernement japonais, qui a été faite en décembre 2011. Tsugi no slide, on égale chez moi. Tsugi no slide. Et j'y ai superposé la localisation des logements provisoires qui avaient été construits après la catastrophe. Et donc, ce que vous pouvez voir à Minos Island. Celle d'avant, c'est avec la carte et puis le nombre de logements provisoires. Avant. Là, tu vas après. Remonte. Faut que tu reviennes avant dans les slides précédentes. Là, après. Retourne sur les cartes de la contamination. Voilà. Celui. Et celle d'après. C'est pas celle-là. Voilà, celle-ci. Merci. Donc les trois. Elle a un décalage, c'est pour ça. C'est juste avant. Ouais. Vous avez vu sur cette carte, on voit la localisation des logements provisoires qui sont en partie sur les zones contaminées. Ce que l'on peut en déduire très rapidement, c'est qu'effectivement, dès le départ, hormis la première vague de panique où il a fallu construire très vite, le gouvernement voulait continuer à fixer les populations dans le territoire pour pas que les gens partent. Et lorsqu'on leur a demandé la raison pour laquelle ils avaient construit des logements sur les cartes contaminées quand on a eu ces données-là, ils nous ont répondu que le ministère qui produisait la carte de la répartition de la contamination était le ministère de la Recherche, alors que pour un processus que je n'ai pas le temps de vous expliquer ici, je vous référerai à mes articles si cela vous intéresse, la construction des logements provisoires, elle dépend en fait de catastrophe du ministère du Travail. Et donc ils ne s'étaient pas échangés les informations. Tsugi no slide, on égale chimasu. Tsugi no slide, on égale chimasu. La slide d'après, s'il te plaît. Donc ça a donné ces cités de logements provisoires dont on a beaucoup parlé, qui confinaient les gens dans des espaces extrêmement restreints. Dans la loi, la vie est limitée. Tsugi no slide, deux slides après, s'il te plaît. La vie est limitée à 4 ans dans la loi. C'est après. La slide après, voilà, merci. Et donc les personnes se réunissaient, comme vous pouvez le voir sur ces photos, donc sur les photos que vous avez vues brièvement tout à l'heure, pour savoir ce qu'ils pouvaient faire. Donc en l'occurrence, les familles avec enfants sont assez rapidement parties, mais ce n'était plus que des personnes âgées qui attendaient plus ou moins,
qui étaient dans l'expectative, en fait, dans l'incertitude, et c'est bien là tout le problème, puisqu'on les a laissés dans l'incertitude pendant 6 ans, pour leur dire, pas plus tard que l'année dernière, que finalement, il fallait qu'ils partent de ces logements. Donc là, les logements provisoires sont en train d'être vidés pour les reloger dans, cette fois, des logements publics. Alors cela, donc tous ces gens qui vivaient là ont tout de suite été, puisqu'ils étaient sur les zones contaminées, ont tout de suite été contraints de vivre avec l'environnement contaminé, de voir comment ils pouvaient essayer d'échapper à cette contamination. Donc ça engendre un transfert de responsabilité. C'est la slide d'après, s'il te plaît. Ah non, tu as déjà passé cette slide, bon, c'est pas grave, on va rester là, tout plus rien. Ça engendre un transfert de responsabilité, puisque vous avez vu brièvement dans une slide qui se trouve avant celle que vous voyez là. Tu peux remonter un peu avant, la slide d'avant. Il y a une carte qui montre le nombre de logements publics qui auraient dû être construits. Voilà, c'est celle-ci. Ah, bon, c'est reparti. Merci. Donc, vous voyez sur cette slide, en bleu, c'est le nombre de logements publics qu'ils avaient prévu de reconstruire. Et en orange, ce sont les logements publics finalisés. Donc il y en a en fait très peu qui ont été reconstruits, très peu parce que finalement les habitants ne souhaitent pas rentrer. Pourquoi ils ne souhaitent pas rentrer dans ces logements publics? Eh bien parce que accepter d'entrer dans ces logements publics, ça voulait dire à l'époque ne plus avoir les subventions logement pour leur octroyer, donc ça voulait dire payer un loyer. Ça voulait dire être dépendant de l'électricité, des charges du logement qu'ils ne pouvaient pas assumer. Ça voulait dire abandonner leurs animaux s'ils en avaient, puisqu'on n'a pas le droit d'élever d'animaux dans ces logements. Et ça voulait dire aussi se retrouver dans des situations extrêmement confinées, cette fois jusqu'à la fin de leur jour. Et c'est ce qui est en train de se passer. Cela dit, puisque donc le gouvernement a décidé cette année, en avril 2017, de couper les subventions au logement, et donc la plupart de ces personnes ont finalement accepté de vivre dans ces logements collectifs pour ceux qui n'avaient pas le budget pour pouvoir reconstruire une maison ailleurs. Tsugi no slide, negaishimasu. Alors, produire de l'ignorance par le mensonge, ça a été aussi toute la décontamination. Tu peux passer à la slide suivante, merci. Toute la politique de décontamination, ça a été faire croire qu'on avait pris la situation en main et que à partir de ce moment-là, la situation devenait sûre par les politiques de décontamination. Alors que donc j'en ai pas mal parlé, donc je vais peut-être pas revenir dessus. Enfin, je suis pas la seule à en avoir beaucoup parlé. Cela dit, juste quelques chiffres. Donc on avait plutôt la slide avant, si tu peux, 9 millions de sacs poubelles contenant chacun 1 mètre cube de déchets contaminés qui étaient répartis sur 114 700 sites au sein de la préfecture de Fukushima. Ça, ce sont des chiffres qui datent de fin 2015, ça a continué ensuite, avec un coût exorbitant pour une politique totalement chimérique. C'est-à-dire que, évidemment, lorsque l'on dit décontamine un endroit, ça baisse là où on décontamine, mais évidemment on ne peut pas décontaminer partout, donc on ne peut pas décontaminer les montagnes. Et puis je vous montrerai ensuite qu'il y a des problèmes qui restent dans les végétaux, sur les bords de route, les taux restent encore élevés. Souvenez-nous la slide d'après, s'il te plaît, celle d'après encore. Voilà. Donc tout ça pour nous dire. Celle d'après, s'il te plaît. Tout ça pour nous dire finalement donc, que cette année, tous les déchets en deçà de 8000 becquerels par kilo allaient être réutilisés pour construire les routes sur l'ensemble du pays. Donc, les conséquences de tout cela, c'est faire croire que la situation est transitoire, qu'un retour est possible.
gestion est prise en main par les gestionnaires, alors que dans les faits, puisque l'administration décide de ne pas organiser le refuge, cela engendre un transfert de la responsabilité de la population qui est captive et qui se trouve livrée à elle-même et donc contrainte à la gestion de sa vie dans une situation à un risque permanent. La slide d'après, s'il te plaît. Encore après. Oui, la slide d'après. La slide d'après, s'il te plaît. Merci. Alors, j'en arrive à mon second point, la production d'ignorance par le détournement de l'attention d'un objet de la connaissance à un autre objet. Donc, ça a été orienter les consciences vers des problèmes qui ne sont pas ceux sur lesquels on peut avoir une action directe. Donc, ça revient à ignorer les problèmes sur lesquels, par contre, on peut agir. Alors, ça a été, par exemple, des propos qui nous ont été tenus un docteur en particulier, enfin, cet exemple, c'est un docteur en particulier qui s'appelle le docteur Kumakai, qui est de l'Université de médecine de Fukushima, qui fait partie aussi du programme Ethos dont on parlera tout à l'heure, qui nous a, qui disait dans une de ses présentations, en plus il est médecin, donc a priori c'est pas son domaine, les volcans sont aujourd'hui plus dangereux que le nucléaire et on a bien tort de continuer à s'inquiéter. Alors, il est évident si certes les volcans sont assez dangereux ici, puisqu'avec 2011 la lave a remonté à la surface, donc certes c'est dangereux, mais on ne peut rien contre les volcans, alors qu'on a une action directe qui peut être faite contre le nucléaire. Donc des experts détournent l'attention publique d'un problème sur lequel je peux agir, parce que l'existence d'un problème relève d'une activité humaine, le nucléaire en l'occurrence, vers un problème sur lequel je ne peux pas agir, parce qu'il dépasse totalement mes capacités d'action, les volcans, les explosions volcaniques, et qu'il émane de forces naturelles, les tremblements de terre, les tsunamis, etc. La conséquence de tels propos, tu peux passer à la slide d'après, et puis rapidement aussi à celle d'après. La slide d'après, s'il te plaît. Voilà, merci. Cela justifie le fait que l'on puisse ouvrir l'ancienne zone d'évacuation, combien même elle reste instable. Cela consiste à faire percevoir la situation comme non dangereuse, sans produire aucune donnée scientifique sur la non-dangerosité en question. Et ça, c'est un véritable problème. Je passe à mon troisième point. L'oubli. Donc la slide d'après, s'il te plaît. Donc là, ce que vous voyez sur cette slide, cette carte-là, vous montre que la décision de la réouverture de la zone d'évacuation a été prise très tôt, hein, puisqu'on a commencé à nous en parler en mai 2013. Et puis, comme on a tendance à nous dire de plus en plus que finalement, il n'y a jamais eu de mort, etc., après Fukushima, puisqu'on nous fait exactement la même chose que ce qui a été dit à Tchernobyl, eh bien, j'y ai superposé les chiffres des morts qui ont été reconnus, cette fois officiellement, suite à l'explosion de la centrale de Fukushima. La slide d'après, s'il te plaît. Slide d'après, s'il te plaît. Donc quand en 2013 la situation c'était celle-ci, là nous sommes à Tomioka sur les photos que vous venez de voir brièvement. On peut retourner aux photos de Tomioka. Colin, tu peux remettre les photos de Tomioka? La slide d'avant. Voilà, merci. Donc c'était dans cet état-là, hein, quand ça a été réouvert, quand nous y sommes allés à cette période-là, il y avait encore des hotspots à l'époque à 4 microsieverts par heure. Mon troisième point, donc l'oubli de ce qui est connu, donc c'est orienter le désintérêt scientifique sur un thème ou brouiller les pistes, utiliser des notions en les détournant de leur sens premier. Alors, ça a été le cas de la résilience. Tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît ? Tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît ? Non, on est bien là. Encore ? Non, ça ne veut pas. Merci, c'est bon. Donc, avant tout, il faut que vous sachiez, si vous ne le savez pas encore, qu'il y a eu
un budget énorme qui avait été mis en place, toujours, on est toujours dans cette période de 2013, qui est une période transitoire assez importante, sur la communication du risque, un budget qui a été ventilé dans tous les ministères du gouvernement japonais, et ce budget avait pour titre, donc budget sur la communication du risque pour contraindre les populations au retour à vivre dans les zones. Donc en fait, les choses étaient claires, rien n'était caché, et moi j'ai trouvé ça en ligne, hein. Donc c'était d'accès public. Tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Donc cela s'est traduit notamment par le détournement de notions comme la résilience. Donc pour vous réexpliquer très brièvement ce qu'est la résilience, au départ c'est un anglicisme qui nous vient donc de la physique des matériaux qui consiste à décrire l'élasticité d'un corps lorsqu'il a réussi à retrouver sa position initiale après un traumatisme. Et puis ce sont des notions qui ont été développées en psychologie, notamment par Émile Herbert, et qui ont été ensuite introduites en France par Boris Cyrulnik. Cette fois, ça consistait donc à revenir à un état à peu près normal, psychologique normal, après avoir subi un traumatisme. Et puis on a élargi l'application de cette notion un petit peu à tout et n'importe quoi, notamment dans ce qu'on appelle les syndiniques, donc tout ce qui touche au désastre, et donc qui consistait à dire que l'on pouvait, notamment concernant les villes, leur faire retrouver la forme d'avant le séisme, s'il y a eu un séisme ou du désastre qu'elles avaient subi. Donc le problème, tu peux passer à la cette après s'il te plaît. Le problème à Fukushima, je passe très rapidement parce que finalement je... Voilà, merci. C'est que il ne s'agit pas ici de résilience psychologique, on est bien d'accord. Hein, ce que l'on demande aux gens, c'est d'être résilient physiquement à la contamination, et ça, c'est pas possible. Donc c'est en ça que le fait d'utiliser ce concept de résilience était extrêmement vicieux. On passe à la slide d'après. Donc il y a eu ensuite, pour faire appliquer toutes ces notions et pour les faire accepter par les résidents, un programme académique qui a été mis en place, qui est le programme Ethos de Fukushima, qui avait été mis en place également à Tchernobyl. Colline en parlera certainement en détail, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce programme. Ce qui est juste intéressant de voir, c'est que dans le programme Ethos Fukushima sont impliquées les mêmes personnes, également les mêmes chercheurs japonais, qui étaient déjà impliqués dans le programme Ethos Tchernobyl. Vous avez peut-être en mémoire le nom de Yamashita Shuichi, celui qui, juste après le tremblement de terre et l'explosion de la centrale, était venu nous dire qu'en deçà de 100 millisieverts, il n'y avait pas de conséquences sanitaires et qu'on n'avait pas à s'inquiéter et que le sourire nous protégerait contre l'irradiation. Bien, ce personnage était également là à Tchernobyl, et le programme Ethos, à la tête se trouve Jacques Lechard, donc a pour but de faire en sorte que les populations continuent à vivre dans les territoires contaminés. Donc il s'agit, il y a eu différentes façons de faire. Leur principale façon de faire est de faire ignorer les dangers de la radioactivité, au sens de faire comme s'ils n'existaient pas. Donc avant, les autorités et les scientifiques soumis aux autorités nationales et internationales avaient un discours qui tendait à dire que la situation n'était pas dangereuse, hein, notamment dans le cas d'Ethos. Et puis maintenant, ils nous disent, avant la situation a été dangereuse, mais maintenant elle ne l'est plus. Finalement, on trouve toujours une façon de nous dire que ça va, il n'y a pas de problème, il faut rester là où on est, et surtout ne bougeons pas. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Slide suivante. Colline, je ne sais pas du tout où t'en es dans les slides, j'arrive pas à lire.
Lui dire qu'il a un mec problème. Donc chaque clochard, donc je vous montre un petit peu les accords qu'ils ont avec l'université médicale de Fukushima que j'ai évoqué tout à l'heure. Bon, je passe là-dessus parce que je n'ai plus, j'ai pas beaucoup de temps. La slide d'après, s'il te plaît. La slide d'après. Colline, tu peux passer. Voilà, merci. Il y en a une. Il y a une slide juste avant celle-ci que j'aimerais que tu montres. Les troncs d'arbres, la photo des troncs d'arbres, celle qu'il y a après celle-ci. C'était concentré à l'intérieur des troncs d'arbres. Un arbre est lessivé par des milliers et des milliers de litres d'eau. Et en plus, on a deux saisons de typhons au Japon. On en est à notre 22e typhon cette année. Donc, vous imaginez un petit peu le nombre de litres d'eau qui peut passer sur tous ces végétaux. Et donc, ça a poussé les isotopes vers l'intérieur des végétaux. Ils n'en sortent plus une fois qu'ils sont à l'intérieur. Alors, un des problèmes fondamentaux de ça, c'est que les constructions sont faites de bois au Japon, et que quand on va, hormis le fait que, bien sûr, continuer à se balader en forêt est exclu, quand on va couper ces arbres pour en faire des constructions, eh bien, la contamination va continuer à se répandre un petit peu partout. Alors, ce qui est... donc, produire l'ignorance et donc exclure ce qui n'est pas encore connu, ça pose un véritable problème également sur la question des seuils. Vous savez que, évidemment, c'est via la question des seuils qu'on peut faire bouger les populations, qu'on va décider de les réfugier ou de ne pas les réfugier. Or, il se trouve que les seuils aujourd'hui par les institutions internationales sont basés sur un principe qui s'appelle ALARA, As Low As Reasonably Acceptable. Alors le tout est de savoir pour qui c'est acceptable, bien sûr. Alors qu'on a maintenant tous les outils scientifiques pour nous montrer que quel que soit ce qui est rejeté dans l'atmosphère ou sur les sols ou vous vouliez, ça a de toute façon une conséquence sur le corps humain, les taux ne sont pas fixés sur les conséquences sanitaires. Et alors là, on l'a vu très clairement, c'est qu'après Fukushima, donc le taux ici a été relevé à 20 microsieverts, à 20 millisieverts, pardon, par an, pour femmes, enfants, enfin pour la population lambda, ce qui permet toujours aujourd'hui de réouvrir la zone, l'ancienne zone d'évacuation. Ça signifie que nous sommes toujours, c'est très paradoxal, c'est-à-dire que nous sommes toujours considérés comme étant en situation d'urgence. Néanmoins, on rouvre la zone. Je saute un petit peu, on passe à deux slides suivantes, voilà, très bien. On est à Koryama, ça ce sont des photos que j'ai prises il y a 15 jours, sur un parking, on était en train de discuter justement d'une conférence qu'on organisait sur le sujet. Vous voyez sur la photo de droite, où il y a ces trois femmes qui sont très engagées dans tout ça, un cône rouge. Et bien ce cône rouge, il monte à un hotspot. Koryama, ça n'a jamais été évacué, ça ne le sera jamais, et voir, c'est au contraire là où on a fait se réfugier pas mal de personnes, c'est habité tout à fait normalement depuis le début. Et donc là, on a un hotspot qui est à 2 microsieverts par heure. Donc on nous dit que les taux baissent, oui, mais comme il y a des hotspots un petit peu partout, on ne sait jamais où on en est, puisqu'on ne se balade évidemment pas avec un compteur GG.
Alors, slide suivante, s'il te plaît. L'ignorance, c'est ce que l'on veut connaître. D'une part, pour ne pas avoir peur, est-ce qu'on en est bien à la même slide? Slide d'après, s'il te plaît. J'ai déjà parlé de ça. La slide d'après, s'il te plaît. Oui, tu peux. Voilà, merci. La pollution d'ignorance en occultant ce que l'on ne veut pas connaître. Donc, par exemple, les effets sanitaires. Donc, on sait depuis Tchernobyl, même bien avant, que, quoi qu'il en soit, le nucléaire est dangereux à tel point que l'on en fait une arme de destruction massive. Néanmoins, les enquêtes sanitaires sont arrêtées, puisque là, le gouvernement a décidé de cesser les enquêtes sanitaires à un moment où elles commenceraient à permettre d'avoir des résultats. Donc, si le rapport de l'ANSCIR de 2013 ne permettait pas encore d'avoir des résultats probants, principalement parce qu'il était trop tôt pour que les maladies se soient déclenchées, selon les épidémiologues qui participaient aux réunions de l'ANSCIR, ça n'est plus le cas maintenant, et il serait bien au contraire pertinent de faire en sorte que les enquêtes épidémiologiques se développent. Et puis, le deuxième point, donc, c'est pour ne pas avoir à porter la responsabilité de ce qui se passe. Donc, ignorer parce que cela nous arrange. Et ça, ça nous concerne tous. C'est-à-dire ne pas avoir à affronter un savoir qui dérange. Si je sais quelque chose, si je suis au courant d'une situation, si je suis informée, si j'ai connaissance de quelque chose qui se passe de grave, dans un lieu qui est accessible, et que je ne fais rien pour aider à apporter une solution au problème, une aide à la personne en détresse, alors simplement je suis complice. C'est une des facettes de la complicité telle qu'elle est définie par la loi. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens préfèrent ne pas savoir que d'avoir à porter la responsabilité d'un acte et en être complice, même s'ils n'ont pas commis l'acte du préjudice directement. Quelles sont les conséquences de ça? Eh bien, c'est que la vague, il y a en ce moment une vague de suicides chez les personnes âgées qui ont été contraintes au retour sur les territoires contaminés. Comme je vous expliquais tout à l'heure, elles sont restées un petit peu dans l'espoir qu'elles pourraient rentrer puisqu'elles ont cru à tout ce qu'on leur disait aussi. Et puis parce qu'elles n'avaient pas trop le choix, parce que quand on est une personne âgée, on ne recommence pas sa vie à zéro du jour au lendemain, on ne peut pas retrouver un travail, etc. etc. Et puis, les effets sanitaires de la contamination pour une partie de ces personnes ne les affectent que peu, enfin, ne les interroge que peu. Donc, une partie ont accepté de rentrer. Et quand elles rentrent, tu pars, la communauté n'est plus existante, parce que par contre, les familles avec enfants, elles ne rentrent pas. Et puis, d'autre part, leur territoire, le paysage a été complètement ravagé par la décontamination, les arbres arrachés, les socles raclés, et tout ça est mis dans des sacs poubelles. Elles voient le paysage qu'elles avaient autour de leur ferme encombré par des sacs poubelles à perte de vue, et puis leurs bâtiments se sont détériorés, il n'y a même plus d'entreprise qui fonctionne autour pour pouvoir leur permettre de réhabiliter leur logement. Donc elles tombent très très vite dans un cercle de dépression, de solitude intense. Et tout ça, ça a été prévenu par une étude qui a été publiée en début 2016 par un professeur qui s'appelle le professeur Tsuchiuchi de l'université de Waseda, qui avait publié son étude, qui en avait également parlé à la NHK, mais ça n'a jamais été pris en compte. Et maintenant, donc, la vague de suicide se produit, on le sait, mais personne, ça se passe dans le silence et l'insouciance la plus complète. Donc la volonté de ne pas vouloir savoir est une autre partie de l'ignorance. Et la volonté d'ignorance est présente en chacun d'entre nous afin de ne pas avoir à affronter une situation qui est trop pesante. Ainsi, 6 ans après la catastrophe, après avoir reçu une masse d'informations importantes, aujourd'hui, on ne parle plus de Fukushima nulle part, sauf peut-être ici, et cela est principalement dû à une politique volontariste afin de couper l'information sur la centrale nucléaire via la loi sur le secret d'État qui a été votée en décembre 2013
qui s'est accompagné de la construction de centres d'information, non pas sur l'état de la centrale ou de la dangerosité encore présente sur les lieux, mais sur la gestion possible de la vie dans un environnement contaminé. Donc, j'en passe à mon sixième point. Alors, quel slide avez-vous par chez vous? On doit y être, voilà, c'est très bien. C'est ça que je vais vous montrer. C'est bien. Donc, c'est la production d'ignorance informée sur une technique pour désinformer sur une situation. Donc, on informe sur les moyens de décontamination autogérés. Donc on explique aux gens, donc sur la slide que vous voyez là, en haut, c'est un centre de décontamination, donc j'ai pris ces photos, qui se trouve juste à côté de la gare de la ville de Fukushima. Et puis en dessous, c'est un centre d'enseignement aussi à la décontamination, qui est beaucoup plus ambitieux, qui est énorme, qui se trouve à Kohira, dont j'ai parlé tout à l'heure, bien où il y avait le hotspot. Lui a reçu d'énormes financements, du ministère de l'Environnement japonais. Il y a un tas de workshops pour apprendre aux enfants comment on marche la radioactivité en la rendant par exemple visible par des expériences physiques. On apprend à jouer en quelque sorte avec la radioactivité, à mettre des espèces de boucliers dans des jeux électroniques, hein, où on se pare de la radioactivité qui arrive comme avec des rayons laser. Enfin, tout ça est très ludique. Donc on apprend aux gens à ne plus avoir peur à accepter tout cela. Donc il s'agit de faire croire à la population que désormais elle pourra se protéger d'elle-même contre la radioactivité via les outils qu'on lui fournit. Donc que ce soit les programmes d'éducation, vivre avec, donc ETHOS, on est là, on est là pour vous rassurer, on est là pour vous écouter. Et puis les centres d'information sur la radioactivité que vous voyez là, sur les méthodes de décontamination, donc avec de belles petites maquettes qui s'illuminent dans tous les sens. La slide d'après. Celle-ci. Donc la conséquence de tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est la réouverture de l'ancienne zone d'évacuation par la coupure des aides au logement octroyées jusqu'alors aux personnes réfugiées. Ça engendre, comme je le disais tout à l'heure, une vague de suicides des personnes contraintes au retour. J'en arrive à ma conclusion, donc la slide d'après, s'il te plaît. Donc ma conclusion sera sur une phrase de Hans Jonas, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Sur le principe de responsabilité ». Toutes ces réflexions, celle de Hans Jonas comme celle de Arendt, sont des réflexions qui ont été liées à la situation de l'Holocauste, mais qui sont tout à fait applicables à cette situation qui est en train d'être gérée. Je déteste ce terme, mais en même temps, c'est comme ça, enfin, je l'ai dit par l'administration. Cette question, c'est ai-je le droit en tant qu'administrateur de mettre en jeu l'intégralité des intérêts des autres? Et la seconde réflexion que j'aimerais vous livrer, qui se trouve également dans cet ouvrage, c'est que logiquement, dans une question de logique, hein, quand on prend de la logique mathématique, le sacrifice du futur en faveur du présent n'est pas plus contestable que le sacrifice du présent en faveur du futur. La différence, c'est juste que dans un cas, la série continue, la série c'est nous, les êtres humains, la vie, alors que dans l'autre cas, elle s'arrête. À nous de faire le choix. Je vous remercie de votre attention. Merci Cécile pour ton exposé extrêmement détaillé et pertinent. Maintenant, je passe à Roland, surtout pour faire un peu le retour historique dans l'origine du projet COS.
je crois que c'est important de savoir et comparer entre ce qui se passe à Tchernobyl et à Fukushima. Merci. Merci d'avoir invité pour parler de cette période. Mais il y a une personne ici, Michel Fernet, qui pourrait le faire beaucoup mieux que moi, puisque lui, il était aussi sur le terrain et il est pratiquement un des seuls scientifiques avec la CARAB qui a vu clairement ce qui se passait à Tchernobyl. Et ça, c'était dans les années début des années 2000. Et on s'était beaucoup ému à l'époque de ce qui se passait là-bas, de ces programmes qui se mettaient en place. Et je voudrais juste faire un petit rappel très court de ce qui se passait là-bas. Alors, on est fin des années 90, début des années 2000. On est, évidemment, après Tchernobyl. Et je vais pas refaire toute l'histoire entre 86 et 98, 99. Mais il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Il y a eu des révoltes des populations qui demandaient qu'on les aide. Voilà. Mais il y avait une volonté du gouvernement, évidemment, de tourner la page Tchernobyl, c'était clair. Comme à Fukushima, aujourd'hui, le gouvernement japonais veut tourner la page Fukushima. Donc, on s'était émus, nous, la CARAB, parce qu'on avait entendu parler, on avait des contacts d'abord scientifiques, avec le seul institut scientifique, à l'époque, qui existait sur place, le seul contre-pouvoir scientifique indépendant, c'est l'Institut Belrad, le professeur Desterenko. Alors je ne vais pas raconter toute sa vie parce qu'elle est extrêmement riche, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps, mais l'Institut Belrad existe toujours, grâce à nos aides, à nous, occidentaux, sinon il aurait disparu depuis bien longtemps. Et un des acteurs qui a failli le faire disparaître, c'est justement, c'est ça que j'aimerais vous parler, c'était dans les années donc 2000. On apprend que le professeur Yuri Bondajewski, qu'on ne connaissait pas, est en prison. Pourquoi ? Parce qu'il faisait de la recherche sur les maladies cardiaques des enfants dans la région de Gomel. Il avait fait ce choix de rester dans une zone contaminée avec sa famille pour pouvoir étudier ces problèmes cardiaques chez les enfants. Et on apprend qu'il est mis en prison, évidemment pas pour officiellement sa recherche, bien que sa recherche dérange, parce qu'il voit des choses. Et la communauté scientifique international se moque de lui en disant c'est n'importe quoi, les problèmes cardiaques ne peuvent absolument pas être corrélés à la radioactivité, donc scientifiquement ça ne tient pas la route, mais on ne va pas le mettre en prison pour ça, évidemment on va lui tendre un piège pour que le gouvernement puisse le mettre en prison, et c'est dans ce piège qu'il est tombé, voilà, et dans lequel il s'est retrouvé en prison. Nous nous sommes mobilisés pour le libérer. Effectivement, il est resté quelques années en prison, il a été libéré, et je vous dirai un petit peu la suite donc, de son parcours aujourd'hui, qui n'est pas terminé, malheureusement. Donc, nous avons été amenés, nous, la CARAB, d'aller sur le terrain. Michel Fernet y est allé avant, lui connaissait aussi l'endroit, etc. Et nous, pour faire un travail scientifique avec l'Institut Belrad, pour expérimenter la pectine de pomme, enfin des tas de choses qui étaient intéressantes. Et il y avait un travail fait par l'Institut Belrad qui n'existait que parce que son directeur, Desterenko, avait des appuis politiques au plus haut niveau de l'État. Sinon, il n'aurait jamais existé, carrément. Eh bien, il y avait un travail pédagogique qui était fait dans les villages, dans beaucoup de villages, où on apprenait aux enfants, d'abord on mesurait la radioactivité des enfants, on faisait des bilans sanitaires, et en même temps on expliquait aux enfants qu'est-ce qu'il fallait faire pour essayer d'éviter, parce qu'il était hors de question d'évacuer ces zones-là. Le gouvernement n'avait pas le moyen, le gouvernement biélorusse avait dépensé beaucoup, beaucoup d'argent déjà, c'est un pays pauvre, hein, contrairement au Japon, hein, pour faire pas énormément de choses, mais faire des choses par rapport à la population. Donc voilà le travail du professeur Desterenko. Nous, on est sur le terrain avec lui, on l'accompagne, etc. Et puis, on voit débarquer des Français, comme on dit. Là-bas, ils disent les Français. C'est le programme ETHOS, hein, qui s'appelait d'abord COR, Coopération pour la réhabilitation, puis qui est devenu ETHOS à Tchernobyl. Alors, il y a eu différents programmes. Ces programmes avaient des financements européens, il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est-à-dire, il y avait de l'argent là-dedans.
Et il y avait un acteur principal, c'est Jacques Le Char, que vous avez vu dans l'une des diapos, qui était le directeur du CEPN, le Centre d'évaluation pour la protection au milieu du clair. Quand on regarde le sigle CEPN, on ne demande qu'à signer et on est forcément d'accord, Centre d'évaluation pour la protection au milieu du clair. Or, cette association, parce qu'elle a le statut d'association, elle est composée de 4 membres, le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, le EDF, AREVA et IPSN qui est devenu IRSN en France. Donc vous avez les 4 acteurs principaux du CEA français, c'est pour ça qu'on les appelle les Français d'ailleurs. Hein. C'est ça. Sauf que le CEPN, bien qu'avançant à visage caché, puisque ce n'est pas officiellement EDF, AREVA, etc., a besoin pour sa crédibilité de s'entourer d'universitaires français. C'est pour ça que je vais citer des noms, parce qu'on les oublie souvent. Hein. Il y a l'Institut National Paris-Grignon, l'INAPG, c'est-à-dire l'Institut d'agronomie Paris-Grignon, parce qu'évidemment, on met dans le programme un volet agricole. En gros, on va expliquer aux paysans comment faire cultiver la terre, etc. Bon. Il y a un volet social, c'est pour ça qu'on va inclure le LASAR, qui est un laboratoire de sociologie de Caen, avec 2 acteurs principaux, Grande Asie et Le Marchand. Pour INAPG, c'est le professeur Lagnon. Et parce qu'il y a de la sociologie à faire là-dedans. Hein, c'est un terrain extraordinaire pour des chercheurs d'aller sur ce terrain-là. Et puis, il y a l'Université Technique de Compiègne. Et puis, il y a aussi des associations qui ont plus ou moins fait un bout de chemin dans ces programmes. Elles ont été, il y avait de l'argent, évidemment, et il y avait forcément... Il y avait des photographes, et à cette époque-là, est sorti beaucoup d'albums de photos où on montre des villages, comme on fait aujourd'hui au Japon, exactement. Vous avez l'exposition avec Colline, on avait vu l'exposition à la Maison du Japon à Paris, c'est exactement ce que nous, on a vu à Tchernobyl, où on montre des belles femmes avec des beaux costumes, etc. Les traditions sont là. Évidemment, on ne voit pas la radioactivité. Curieusement, elle n'est pas là. Et donc, enfin, tous ces programmes ont eu pour conséquence, nous les avons, bon, évidemment, on se demande si vous voulez, quel était l'objectif de ces programmes. Évidemment, c'était apprendre à gérer le problème de la radioactivité. En gros, apprendre à se servir d'un compteur, peut-être, c'est ce qui se fait au Japon, apprendre à... mais pas de volet sanitaire. Et comment vivre avec la radioactivité? C'est pas se poser la question comment ne pas vivre là, mais c'est comment vivre avec la radioactivité là. Donc comment gérer en quelque sorte sa dose? Comment devenir, et là on avait écrit un article, c'est comment le lobby nucléaire s'en prend à ses propres victimes. C'est-à-dire, on sait qu'en restant dans ces zones-là, on va ramasser des doses qui sont parfois inacceptables. Alors qu'est-ce que c'est l'acceptable ou l'inacceptable? Vous avez entendu Cécile tout à l'heure en parler. Ça dépend de quel côté on se place. Ce qui est acceptable pour l'un n'est pas pour l'autre. Donc, et en fait, ça veut dire que les victimes qui sont là, qui sont condamnées à vivre là, vont recevoir des doses. Peut-être qu'un jour, elles tomberont malades à cause de ces doses, mais elles n'auront à s'en prendre qu'à elles-mêmes, parce que ça veut dire qu'elles auront mal fait les choses, elles se seront mal protégées, mais du coup, le responsable, le vrai, celui qui a pollué, celui qui a provoqué l'accident, lui, il a disparu des radars, curieusement. Voilà. Et ça, c'est un trafic, je dirais, de responsabilité qui nous a beaucoup choqués. Et d'ailleurs, quand on posait la question aux gens sur le terrain, ils disaient « Mais ces Français, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ?» Et ils n'étaient pas naïfs du tout. Ils nous regardent, ils nous observent comme des cobayes. Nous sommes des cobayes. Des cobayes pour un programme, et nous l'avons dénoncé avec Michel Fernet dans un article, justement, un dossier qu'on avait fait, pour dire... Pourquoi? Parce que le lobby nucléaire avait très bien compris que là, il y avait un terrain pour apprendre à gérer
le post-accidentel, c'est-à-dire le long terme. Comment gérer des populations, comment les convaincre de rester en zone contaminée et, je dirais presque, à vivre heureux avec la radioactivité. C'est moi qui rajoute le terme heureux, évidemment. Une des premières conséquences a été l'éviction de Belrade d'un certain nombre de secteurs où ils étaient très implantés. Et le professeur Nesterenko a vu ses moyens pratiquement disparaître. C'est là que le professeur Nesterenko a dû se tourner pratiquement exclusivement vers l'étranger pour pouvoir continuer à son financement. Et ça, ça a été une des premières conséquences. Nous avons protesté. C'est évidemment les programmes métaux. C'était beaucoup moins dérangeant pour le gouvernement de Biélorussie que le professeur Nesterenko. Le gouvernement biélorussie avait intérêt à traiter, entre guillemets, avec les experts français. C'est vous dire que ce n'était pas dans le sens d'améliorer la santé des gens. Nous avons vu, nous, un autre problème, c'est qu'on avait, le professeur Youri Gondagic qui était sorti de prison, nous avons monté un projet d'un laboratoire, Krirat Gondagiski, en Biélorussie, qui consistait d'abord à évacuer les enfants en zone non contaminée, à les suivre sanitairement, etc. On avait un bon espoir, je dirais, de faire aboutir ce projet. Parce que pour nous, il n'y a pas d'alternative. Quand on vit en zone contaminée, on est contaminé. Donc, il faut éloigner les gens, c'est clair. Et il faut que ce soit évidemment acceptable. C'est pour ça qu'on avait monté tout un projet pour éloigner ces enfants, soit en les faisant venir en France, ça a été le cas de nos associations, mais ça c'est temporaire. Et nous, c'était de manière, je ne dirais pas définitive, mais au moins de mener une scolarité dans le nord de la Biélorussie, totalement indemne de radioactivité, où on pouvait amener ses enfants. Donc c'était ça. Ce projet était prêt d'aboutir. On avait beaucoup mouillé la chemise, on avait récolté l'argent, le professeur Youri Gondagic était prêt, etc. Et au dernier moment, eh bien, le gouvernement biélorusse a dit non. Et non, pourquoi? Parce qu'il y a eu intervention des autorités françaises, on le sait maintenant, de manière certaine, intervention de l'ambassadeur de France en Biélorussie, auprès du gouvernement biélorusse, pour dire, montrer du doigt la Krirat. Le professeur Bondagiski, malheureusement, il avait déjà une certaine renommée, lui, là-bas, sur place, mais pour qu'on ne soit pas présent sur le terrain. Évidemment, on était moins conciliant, je dirais, plus exigeant, je dirais, par rapport que les gens, les Français de l'État. La conséquence, et je termine là-dessus, c'est ces programmes État, SCORE, etc., nous, on les a dénoncés en disant « c'est scandaleux pour les victimes, etc. etc. » Mais on a aussi imaginé, et ça, je ne veux pas dire qu'on était les meilleurs, mais il suffisait bien de réfléchir un petit peu pour savoir pourquoi le oui nucléaire voulait faire ça. Et le pourquoi, bah, c'est qu'il imaginait déjà qu'il y aurait d'autres accidents. Il ne savait pas où et quand, évidemment, mais qu'il y aurait d'autres accidents, d'autres situations semblables à gérer, et qu'on aura besoin de ces programmes-là pour les mettre en place. Et nous, on avait émis l'hypothèse, Michel Fernet aussi, c'était de dire, c'est pour nous, ces programmes-là. Ils seront appliqués en France, on ne savait pas pour le Japon, mais ils seront appliqués en France en cas d'accident nucléaire. C'est ce qui nous attend. Et malheureusement, ces programmes avaient été mis dans les placards en attendant Fukushima. Avec Fukushima, on les ressort des placards en France, en Europe, puisqu'aujourd'hui c'est passé dans Euratome aussi. Et qu'est-ce qu'on dit? Ben, on l'appelle CODIRPA, Comité Directeur pour la Gestion Post-Accidentelle. Et c'est exactement ce qu'ils appellent la doctrine, j'aime bien le terme, de nos autorités, la doctrine de la gestion post-accidentelle. C'est devenu une philosophie. Alors eux, ils disent une doctrine, moi je préfère le mot philosophie. De ce qui se passera pour nous, Français, mais nous, Européens, c'est aujourd'hui rentrer aussi dans la logique Euratom. Donc, voyez que ça s'est élaboré là-bas, on le vit aujourd'hui en direct au Japon, mais ça. Et pour terminer, eh bien, il y a un organisme international où il fallait absolument que cette doctrine soit
rentrée, c'est la CIPR, Commission internationale de protection radiologique, qui, quelque part, donne les orientations pour tout ce qui est protection radiologique au niveau de la planète. Eh bien, la CIPR, à la CIPR, le groupe qui travaille sur les situations post-accidentelles, eh bien, le responsable, c'est M. Lochard. Il a réussi à être là où il fallait être pour ce genre de situation. Et là, je pense que les dénoncer, c'est très important de démasquer le rôle, qui est derrière, etc. Au Japon, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'ils n'évoquent et ils n'évoluent même pas à visage caché. Ils n'ont même pas changé le nom. Ça s'appelle Etoshi Fukushima. Alors on va lui donner quelques petits noms à côté, hein, comme le rappelle Colin. Mais on est exactement dans les mêmes sillons. C'est pour ça que j'avais dit à Colin, ce serait peut-être bien de parler d'un peu d'histoire. Parce que c'est vieux, et c'était hier. Hein. Voilà. Merci. Et c'est demain. Merci. Merci. Voilà. C'est très intéressant de voir... revenir un peu en arrière tout ce qui s'est passé en Tchernobyl, notamment en Biélorussie, et les mêmes acteurs donc, dont on a parlé, Cécile et Roland, les acteurs de CEPN, le lobby nucléaire français, très dominant dans le lobby international. Monsieur Lochard, normalement, il a été diplômé de l'économie, mais il n'a jamais été comme économiste, mais plutôt il est devenu quelqu'un qui est extrêmement fort dans la communication. Et donc lui, il travaille dans le lobby nucléaire, il coordonne tous les réseaux qui dominent dans le monde nucléaire. C'est pour cette raison-là que je reviens toujours de parler Ethos en Biélorussie et puis Ethos à Fukushima. Moi, je vais parler normalement en trois temps, mais comme on a dépassé beaucoup de temps, donc je vais supprimer le dernier volet, mais je vais parler donc d'abord le projet Ethos à Fukushima et de son action à travers des séminaires dites Dialogue Initiative. Dans un second temps, nous verrons comment il s'est développé depuis l'an 2000 En tout cas, depuis 2000 jusqu'à nos jours, il y a tellement de choses qui ont été construites pour cette stratégie de l'ignorance. Je vais vous montrer mon diapo. J'aurais aimé à la fin de montrer quelques extraits de documentaire Itate, mais comme on a passé beaucoup de temps et de toute façon demain à partir de 16h45 ce film très intéressant sera projeté, donc je vais supprimer cette partie, mais je vais parler d'abord à Ethos à Fukushima. À Fukushima, l'équipe française Ethos a très rapidement constitué un groupe mixte franco-japonais y incluant également une touche internationale, Deborah Uwekan, une professeure de biologie environnementale et jeune membre suédoise de la CIPR. Pourtant, fondamentalement parlant, cette équipe est indéniablement franco-japonaise avec des acteurs comme le professeur Otsuraniwa, issu de la CIPR, et d'autres provenant de la filiale pro-nucléaire Radiation Safety Forum, Hosasen Anzen Forum, composé de scientifiques appartenant en majorité au lobby nucléaire.
force est de constater la complicité entre le lobby nucléaire et celui de la radioprotection. Et l'actuel président de la Commission japonaise de régulation de l'énergie atomique a été un des membres de Radiation Safety Forum, Osasen Anzen Forum, et l'un des premiers intervenants dans le séminaire Ethos Dialogue Initiative à Fukushima. Et le programme Ethos officiellement reconnu comme achevé par l'OCHA au bout des 12 séminaires prévus, a néanmoins été réactivé. Depuis 2 ans, une nouvelle série a été mise en place. Ces lieux de séminaires sont stratégiquement bien choisis, Mitsugi, Itate, Kawauchi, c'est-à-dire dans les zones où il pourrait y avoir des contestations, parce que c'est la zone un peu entre noir et blanc. C'est-à-dire la contamination n'est jamais extrêmement forte, mais c'est contaminé. Comme à Itate, où le maire de village, M. Kando, ne voulant pas admettre que son village est condamné pour longtemps par la radioactivité, insiste pour faire revenir ses habitants. Un autre paysan, qui s'appelle aussi M. Kando, lui, il ne veut à aucun prix lâcher ses champs. Ethos est sponsorisé actuellement par l'Université médicale de Fukushima, la ville de Date, le Radiation Safety Forum, c'est-à-dire le lobby pro-nucléaire japonais. Monsieur Shuichi Tanaka, donc, qui a démissionné la commission de régulation japonaise, lui, il est d'origine de Fukushima et il prétend qu'il allait s'installer à Itate pour finir sa vie. Et puis, évidemment, il y a une pseudo-association locale qui s'appelle tout à fait Ethos in Fukushima, avec sa tête Ryoko Ando, devenue coordinatrice de cette démarche et aujourd'hui représentant élément crucial de la coordination d'Ethos à Fukushima. C'est grâce à la coordination de Ryoko Ando que Jacques Lochard a repris ce séminaire depuis l'année dernière dans le village de Itate et dans la ville d'Itate, soutenu financièrement par la Fondation Nippon, une organisation extrême droite qui finance, qui aide le gouvernement conservateur de M. Abe. Leur méthode psychosocio-philosophique consiste à co-gérer, ou plutôt faire en sorte que la population autogère un état de contamination où on doit mesurer soi-même son environnement d'habitat, faire le choix de ce qu'on mange et de ce qu'on boit, réfléchir sur comment éviter le passage dans les zones les plus contaminées, etc. etc. Ainsi, pendant on autogère la contamination, on en vient à oublier qui a causé cette catastrophe et en s'organisant soi-même, on se résigne comme si c'était un désastre naturel. Voilà les acteurs principaux de Dialogue Initiative. Les principaux acteurs restent inchangés, mais à Fukushima, le lobby français de l'IRSN, la NEA, Agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE, sont venus en renfort. De côté japonais, leurs homologues sont là, aussi parmi eux, le professeur Otsuranuma, aujourd'hui président de la Fondation de recherche sur les effets des radiations RERF, anciennement affilié à ABCC, l'organisme américain, qui a effectué des recherches sans promulguer de son sur la population d'Hiroshima et de Nagasaki. Cet organisme est aujourd'hui encore en étroite relation
avec le lobby nucléaire américain. On y retrouve aussi M. Junichiro Tada, scientifique et membre de l'Aviation Safety Forum, ainsi que M. le professeur Ryogo Ayano, physicien atomique et ex-enseignant de Todai, Université de Tokyo, qui a élaboré le deuxième projet de faire porter à des lycéens de plusieurs pays de dosimètres en bâche fabriqués par Chioda Technol, cette entreprise de fabrication de dosimètres est très liée avec le monsieur Shuichi Yamashita. Ce dosimètre a un défaut de mesure que le fabricant lui-même a reconnu. Et puis, M. Telmi Hangai, un enseignant d'une petite académie privée du même nom pour le soutien scolaire, prétendait qu'on pouvait manger toutes les productions alimentaires de Fukushima sans danger. Il voulait mettre en place le projet d'amener des enfants déguster des pêches produites à Fukushima et a démontré qu'il n'y avait aucune crainte à avoir sur la contamination radioactive. Ce projet a dû être annulé sous la pression des maires qui protestaient. Cet homme a collaboré plusieurs fois à des conférences avec Géraldine Thomas, spécialiste de la pathologie moléculaire de cancer de l'Imperial College de Londres, qui réfute l'importance de la question des faibles doses et prétend que l'augmentation des cancers de la thyroïde est un simple effet de screening et en comparaison, l'effet psychologique est beaucoup plus grave. Elle se déclare ouvertement pro-nucléaire. Jacques Clochard et Thierry Schneider, son bras droit de CEPL, PN, ont habilement choisi la cible qui leur a apporté infailliblement une notoriété mondiale, Hiroshima et Nagasaki. Jacques Clochard est devenu le professeur régulier de l'Université de Nagasaki en 2016, grâce à ses relations avec le professeur Shuichi Yamashita, qui est vice-président de la dite université, connu sous le nom de M. Samuel Siget, et Noboru Takamura, de l'Université de Nagasaki. Ces deux universitaires de Nagasaki sont l'objet d'une plainte déposée par le groupe mondial plaignant, dénonçant leurs propres irresponsables. Yamashita ayant déclaré qu'on n'avait pas besoin de prendre des pastilles d'iode. En février 2017, Jacques Clochard a été invité par l'Université de Hiroshima pour le programme Felix Leader Program afin de former des jeunes leaders de la nouvelle génération pour la reconstruction après le désastre de Fukushima grâce entre autres à ses connivences avec Kenji Kamiya, médecin radiologue et par ailleurs l'objet de vives critiques et d'une plainte déposée par la partie civile. C'est très complexe, mais enfin, c'est la structure relationnelle de l'Union nucléaire internationale. Au milieu, la LUA, et puis à côté, la CIPR. Évidemment, je ne peux pas tout expliquer parce que c'est tellement complexe et puis tellement labyrinthe et tellement dense. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, il est lié directement au Conseil de sécurité de l'ONU. Tandis que l'Organisation mondiale de la santé, il est lié avec la Commission sociale et économique.
Donc le rapport n'est pas du tout équitable. La domination de l'AIUA est écrasante. Et puis, de toute façon, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations, de toute façon, tous les organismes onusiens, ils sont d'accord pour l'atome for peace. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour qu'on continue à se développer pour le nucléaire civil, dans l'usage pacifique. Donc, je peux donner tout à l'heure une copie de cette carte, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre. Bon, l'équipe de CEPN, Jacques Lochard et Thierry, on a déjà parlé de ça. Donc, après le projet TOS, la France s'est investie dans les lectures de post-accidentelles avec Parex, dont Roland a parlé déjà. Retour d'expérience de la gestion post-accidentelle de l'accident de Tchernobyl dans le contexte de Biélorussie. Et confié à Mutalis Consultant, son rapport a été remis à l'ASN le 19 mars 2007. Les auteurs sont les mêmes membres de l'équipe ETHOS, Gilles Herriard Dubruy, Jacques Lochard et Henri Olagnon, ainsi que deux autres experts comme Stéphane Baudet ou Céline Bataille. Ces projets ont été ensuite portés au niveau européen, URANOS, European Approach to Nuclear and Radiological Emergency Management and Rehabilitation Strategy, soutenu par la Commission européenne, toujours, qui a commencé en avril 2004 et s'est terminé en juillet 2009. Mais l'Uranus, ça continue. Une autre étude, Cordipa, comité directeur dont Roland a abordé déjà, mais elle est menée entre 2005 et 2012, et puis ça a été renouvelé jusqu'à 2018. Après Fukushima, son dernier rapport final a été remis à l'ASN en mars 2011. L'objectif étant de répondre aux enjeux sanitaires après un accident radiologique. On évite d'utiliser le mot accident nucléaire, un accident radiologique. Et le rapport parle de zonage selon le niveau de radiation. Une autre approche faite en comparaison avec la catastrophe de Fukushima s'appelle REX, toujours autour aux expériences de réels accidents à Fukushima. Voilà, donc il y a une démarche extrêmement organisée, très bien, au niveau européen. Donc on n'est plus projets comme Arex ou Cordipa, mais maintenant c'est vraiment européen. Le projet se développe ces dernières années sur le plan européen. La filière ETHOS se développe à partir de la création NERIS Platform, qui est créée en 2010 et domiciliée auprès de CEPN en tant qu'association 1901. Ainsi, on peut en conclure que ce développement organisationnel ne s'est pas fait à cause de la catastrophe de Fukushima, mais il est plutôt la continuation de leur démarche depuis Tchernobyl. D'ailleurs, le CEPN est aussi une association domiciliée auprès de CELUA, dont elle assure le secrétariat. Le budget est clair, le but est clair, il s'agit de se préparer à une situation accidentelle et post-accidentelle nucléaire et radiologique, autrement dit, mettre en condition la gestion d'une catastrophe nucléaire certaine. Donc NERIS Platform, fortement mobilisée depuis Fukushima,
on retrouve la plupart des principales institutions européennes pro-nucléaires. Parmi les défenseurs, il y a évidemment le CEPN, l'IRSN, Mutadis, parmi les membres inclus, l'ARSN, AgroParisTech, qui fait partie de l'équipe de ETHOS. NERIS a divers projets qui portent des noms relevant de lexique musical, tels que concert, opéra ou shamisen. Il y en a bien d'autres encore, comme préparait NERIS TP. En majorité, la question de radioprotection se retrouve intégrée avec d'autres projets de recherche, Melody, Alliance et Urados. Melody, Multidisciplinarity European Low Dose Initiative, est une structure associative d'après les sites de IRSN, fondée en 2010, présidée par Jacques Rupsar, actuel président de l'IRSN, consacré à la recherche européenne sur le risque lié aux faibles doses. Alliance Européenne en Radioécologie, est une organisation transnationale visant l'intégration des programmes de recherche des partenaires impliqués en radioécologie, plus précisément dans le domaine de l'évaluation des impacts des substances radioactives sur l'homme et l'environnement. URADOS, c'est un organisme européen, Radiation Dosimetry Group, est un réseau européen, plus de 50 institutions et 250 scientifiques. Donc ils sont prêts à aller mesurer dès qu'il y a un accident majeur, n'importe où en Europe, dès qu'il y a un signe de détresse grave. Il y a une équipe qui sont prêtes à partir pour mesurer, donner des informations, mais dans quel niveau, dans quelle manière, on ne sait pas. On peut donc constater l'importance de recherches qui sont menées sur le plan de la France et en Europe. Cela révèle bien que les acteurs de lobby nucléaire ont compris que si l'on n'arrive pas à gérer la situation post-accidentelle, comme le cas de Tchernobyl ou de Fukushima, l'industrie liée au nucléaire s'effondrait. Donc, évidemment, depuis Tchernobyl, ils sont sentis vraiment menacés par des catastrophes nucléaires, l'effondrement de leur industrie nucléaire. C'est la raison pour laquelle ils se défendent en allant plutôt dans la position d'attaque pour montrer comme s'ils sont capables de gérer la situation accidentelle et post-accidentelle. Je ne peux pas exposer tous les projets dans un temps si court sur le réseau de NERIS Platform, mais je précise à partir de projet Opéra, projet ouvert de recherche européenne sur les rayonnements, un autre projet né, Opéra a été lancé en 2013 sur 4 ans avec le soutien financier de la Commission européenne et vise à mettre en relance une structure de coordination juridique et logistique pour gérer les appels européens au projet de recherche en radioprotection. Opéra a engendré un autre projet qui s'appelle Shamisen. Ce projet s'attache à tirer des enseignements de Tchernobyl, de l'accident de Fukushima et d'autres accidents nucléaires majeurs afin de pouvoir en tirer des recommandations pour la surveillance médicale et sanitaire. Dans ce groupe de travail, on retrouve Deborah Hugoton, Thierry Schneider, Koichi Tanikawa, vice-président de l'Université médicale de Fukushima, qui a été dirigé par Shunichi Yamashita. Les partenaires sont les CEPN, l'Université médicale de Fukushima, l'Université de Hiroshima, l'Université de Nagasaki aussi, et puis NERIS, IRSN, IARCER. La préfecture de Fukushima a l'intention de confier la gestion des examens de santé
de la population de Fukushima à IARC, International Agency for Research on Cancer, organisation onusienne sous tutelle de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé. L'IARC ne va jamais à l'encontre de l'OMS. Ainsi, cette organisation va gérer tous les examens de cancer de la thyroïde selon les recommandations de Shamisen. Plutôt que d'envisager l'arrêt du nucléaire, ils choisissent de se préparer à faire face à un ou des accidents majeurs nucléaires en Europe. Or, se préparer à un accident majeur, comme ils laissent entendre de façon rationnelle, est une pure folie. C'est une absurdité même, une pure aberration. L'acceptabilité de faire courir un tel risque à une population, de lui faire subir un tel désastre absolument incomparable à quoi que ce soit, dépasse l'entendement. Pour finir mon intervention, je voudrais juste faire une remise au point. Je n'ai nullement l'intention de mettre en cause des milliers de scientifiques experts qui travaillent avec bonne foi dans les institutions et les organisations que j'ai citées dans mon exposé. Certes, l'affaire Ethos est dans une zone grise. On ne peut pas juger immédiatement et clairement si c'est noir et blanc ou bien et mal. Pourtant, je crois qu'il est absolument nécessaire de considérer les détails micro-politiques, là où les responsabilités de chacun se précisent pour comprendre le mal structurel avec toutes les implications des universitaires, des chercheurs, des experts, des organisations internationales. Parce que c'est bien que la conjugaison de cela qui fabrique la stratégie de l'ignorance. Il faut aussi être conscient que cela pèse politiquement sur les décisions concrètes des autorités et que ces derniers ont un impact crucial sur la santé et la vie humaine dans une catastrophe nucléaire. Merci. Donc, on a 35 minutes pour finir cet atelier, donc je vous donne la parole, les questions, des remarques. Peut-être avant de donner à Maris, Michel, tu veux ajouter quelque chose concernant Ethos? Aujourd'hui, d'abord, on a entendu des orateurs qui sont au courant, qui suivent tous les événements et qui les suivent le plus scientifiquement possible. Et le travail de la CRIRAD qui a été présenté d'un côté a été pour la France à peu près la seule source de réalité sur les retombées radioactives sur la France. Alors que les rapports officiels qui arrivaient à la Commission européenne à ISPRA et qui faisaient un atlas des retombées radioactives sont venus à moi quand j'étais avec Nesterenko pour d'autres raisons. Et ils m'ont dit, Monsieur Ternet, vous venez de France, dites-moi pourquoi en France, Tchernobyl a conduit à une réduction de la radioactivité au sol. Je vais dire, écoutez, vous le savez bien, c'est l'inverse, mais les chiffres n'existent que par ceux qui l'ont mesuré et qui ont eu le courage de le publier. C'est la CRIRAD. Ils m'ont dit, mais ça, on ne peut pas s'en servir. Ce n'est pas une institution d'État. Donc,
le rapport est venu, la classe est à peu près grande comme ça, et il est faux, et ils le savent. Il est franchement faux. Bon. On a dit en passant qu'entre l'OMS et l'AIA, il y avait des liens peu satisfaisants. Ces deux organismes qui en fait ont été complices. Tchernobyl a été un accident très important qui sans doute a fait, mais fait encore énormément de victimes. C'est quelque chose qui est encore en cours vu la transmission des atteintes d'instabilité génomique d'une génération à l'autre. En principe, d'après l'expérimentation chez l'animal, génétiquement, les enfants de l'animal irradié sont plus irradiés que les parents. Mais je vous donne simplement un exemple d'une réunion à l'OMS où malheureusement mes collègues de l'IPPNV n'ont pas pu venir. Ils sont là aujourd'hui, mais ce jour-là, ils n'étaient pas libres. Et où l'AIA conduisait un symposium pour informer les Nations Unies sur les conséquences de Tchernobyl. Et la séance à l'OMS, qui a duré 3 jours, a commencé par les salutations de Madame Chan, directrice générale adjointe à l'époque, elle est devenue directrice générale, et elle a introduit le président de la séance, Mettler, qui a ouvert le débat devant un public technique qui était autour de lui et qui devait pour formuler le rapport pour les Nations Unies. Et voilà ce qu'il a dit. Nous devons, dans les 3 jours qui sont devant nous, définir, y a-t-il eu 300 000 morts dues à Tchernobyl ou 30. Vous savez, c'était une directive pour la salle, tout au moins pour ceux qui avaient le droit d'intervenir scientifiquement, qui étaient au moins pour moitié des membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Je vous donne simplement le résultat final. Nous avons, je n'avais pas le droit de vote, ni de parole, j'étais un observateur. Nous avons progressivement effacé tous les morts connus, mais c'est difficile de passer de 300 000 à 30. Et on a si bien déconstruit que le rapport final nous a donné 38 000 morts à Tchernobyl sur la base du rayonnement qu'a provoqué cet accident. C'est juste pour vous dire que le rapport aux Nations Unies reposait sur une tricherie collective d'un groupe de savants. Je crois que je m'arrête. Le micro ne va pas très loin, donc ceux et celles qui voudraient prendre la parole, venez par là et puis prendre le micro s'il vous plaît. Moi, je suis venu à cet atelier parce que justement, ça fait tellement. Ça fait. Donc, Marie Zarditi, France Nature Environnement. Donc, moi, je suis dans une grande association où il y a 800 000 personnes, mais qui sont tous environnementalistes et pas tous pas spécialisés dans le nucléaire. Je suis venu ici parce que ça fait très longtemps que je cherche des informations un peu précises sur ETO, sur COR, sur CEPN. Il y a encore 4 ans en tout cas, vous pouviez taper ça sur Internet,
on ne trouvait pas grand-chose. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans nos milieux mutandistes, fait des ravages. Parce que Mutandis, c'est un bureau d'études, etc., qui se donne une vision à long terme. On n'a pas tellement de gens qui travaillent sur le long terme. Donc dès que quelqu'un dit « il me faudrait une étude, mais un peu à long terme », eh bien, on va voir Monsieur Gilles Dubreuil, je ne sais pas quoi, qui dit « oui, moi j'ai des visions ». Et dans l'environnement, on a souvent besoin de visions à long terme. Donc dans nos assos, il y a vraiment des ravages de ce côté-là. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai été interpellé parce qu'une CLI, je ne sais plus laquelle, Commission locale d'information, voulait faire une étude sur comment les acteurs concevaient, enfin, etc. Et ils m'ont appelé en me disant, voilà, donc la personne qui va vous appeler pour faire l'étude, c'est Monsieur Machin de Mutandis. Et je leur ai dit, ben c'est pas la peine. Je ne participerai pas. Je pense que vous avez déjà tronqué le truc. Donc voilà, je voulais seulement vous dire, là vous êtes peut-être tous au courant, mais sinon, répondez bien autour de vous, parce que les autres, on sait où ils sont. Ils sont CEA, ils sont IRSN, ils sont connus. Mutandis, il n'a pas du tout, cette casquette-là, et il joue un rôle très malsain. Voilà, donc c'est surtout ça que je voulais vous dire pour vous mettre en garde. Moi, je voulais vous dire que il y a une convention Aarhus qui oblige la société civile à s'exprimer sur des questions environnementales. Et donc, cette commission, ben, j'ai trouvé, il y a une commission qui s'appelle. Qu'est-ce qui se passe là ? Donc une commission qui est en train de travailler, qui s'appelle Geoffrad, et qui est financée par la Commission européenne, qui travaille au niveau européen, c'est surtout sur l'enfouissement des déchets radioactifs, la gestion. C'est vrai que quand on dit gestion en France, ils pensent enfouissement. Quoi. Donc, moi-même, je mélange à un moment. Et donc, la société civile en France, eh bien, je vais vous dire qui est-ce qui la représente. Donc, la société civile en France, elle est représentée par le patron de l'ANCLI, par Mutandis. Et puis Mutandis, mais il y a aussi l'IRSN, quoi. Voilà la société civile, soi-disant française, et c'est une véritable tromperie, parce que les partenaires européens, eux, ils ont des fois des véritables représentants d'ONG de leur pays, et ils pensent qu'en France, les ONG qui représentent le souci sur le nucléaire, c'est Mutandis. Et ils sont trompés au niveau européen par cette barrière de Mutandis. Ils ne se rendent pas compte que c'est le bras droit de EDF et d'Areva. On est Rouen, je suis militant à l'Union syndicale solidaire. Donc c'est par rapport, on a parlé du mensonge que subissent les populations. Donc il y a 3 mois, j'étais à Fukushima, entre Tatomioka et Iwaki. Alors évidemment, je suppose que vous le savez, il y a des compteurs GGR un petit peu partout qui sont sur d'énormes socles en béton, ce qui fait que dès qu'on est avec un compteur GGR, à 1 mètre de celui-là, on a un taux de radioactivité qui est entre la moitié et le tiers du taux qui est sur les compteurs officiels. Bon, les gens, ils le savent, ils le voient. Enfin, il n'y a aucune confiance. On a été dans un centre qui a été fait par les maires d'Iwaki. Je crois que d'ailleurs qu'ils ont eu du matériel, entre autres de la Kira, parce que c'est un centre qui fait des prélèvements au niveau de la thyroïde pour les enfants, qui fait beaucoup de choses, qui fait aussi partir un peu les enfants dans d'autres régions pour les vacances, parce que les petits-enfants avec Fukushima, ils n'ont jamais pu toucher une fleur, ils n'ont jamais pu toucher un brin d'herbe. Il ne faut rien toucher quand on est né après la catastrophe. Donc tout est très compliqué.
Et il nous expliquait qu'il y a des grosses structures où on fait aussi des analyses de la radioactivité, tout ça. Alors d'abord, c'est relativement cher. Deuxièmement, c'est des choses quand même qui sont très institutionnelles, en qui ils n'ont pas beaucoup confiance. Et que là, par exemple, bah, les gens, pour les enfants qui ont moins, je crois que c'est près de 10 ans, c'est 1000 yens pour faire. Alors 1000 yens, ça fait 7 euros pour savoir la radioactivité de la théorie. Enfin, des vraies structures et tout, et où par contre, tout ce qui est institutionnel, ils n'ont aucune confiance. Quoi. J'ai été dans un village de préfabriqué, alors j'y avais déjà été il y a 4 ans, et dans un autre village, et il y a 4 ans, il y avait beaucoup de gens qui attendaient le moment où ils allaient pouvoir retourner chez eux. Là, je suis allé dans un village, les trois quarts des gens sont déjà partis. Sauf que ceux qui s'occupent du village nous ont expliqué que, autant les gens, quand ils étaient arrivés, c'était très difficile pour eux, ils avaient été déracinés de leur milieu social. Sauf que là, les gens qui sont repartis, ils arrivent dans des petites villes ou des villages où il n'y a plus personne, où il n'y a plus de ville, pas de structure ni rien, et qu'en fait, ils reviennent souvent le week-end dans les villages en préfabriqué, parce qu'en fait, ils s'étaient reconstitués des liens sociaux dans cette structure dont au départ, ils ne voulaient pas. Quoi. C'est assez compliqué de voir d'aller dans Fukushima à 4 ans d'intervalle, où on va maintenant, tout est propre. Hein. C'est propre, c'est clean. Il y a des incinérateurs géants pour brûler les sacs plastiques. J'en ai vu un, ça doit faire 250-300 mètres de long. J'avais calculé qu'avec ce que ça brûle, parce qu'on a dit combien ça brûle de déchets en une journée, et je ne sais plus combien il reste, j'avais calculé qu'en gros c'était 3000 ans pour qu'on gère les 115 000 dépôts qu'il y a à Fukushima. Donc c'est de la flûte, mais c'est propre. Ils ont même fait une gare toute neuve. Alors ça, c'était à Tomioka, une gare toute neuve pour les salariés qui travaillent dans l'incinérateur. Enfin, c'est magnifiquement propre, alors qu'il y a 4 ans, il y avait évidemment les restes du tsunami et tout était une zone de guerre. Quoi. Enfin, mais les gens qu'on voit, ils n'ont aucune confiance. Et il y a 4 ans, ils attendaient tous de retourner chez eux. Et aujourd'hui, c'est différent. Quand ils retournent chez eux, ils se rendent compte que c'est plus des villages où ils habitent, c'est vide, quoi. C'est rien. Quoi. Petite Francis Lebout, fan nucléaire en Belgique. Pour vous, vous avez cité les scientifiques qui s'étaient associés au programme ETHOS, mais pas les associations. J'aurais été intéressé d'entendre le nom des associations. Et puis j'étais très impressionné par ce graphique, cette nébuleuse d'associations qui tourne autour de l'AIEA, d'ailleurs, etc. Et donc, j'aurais bien aimé vous voir, je n'ai pas réussi à voir s'il y avait des trucs belges là-dedans. Il faut savoir qu'en Belgique, c'est un beau pays, mais on a pas mal de réacteurs et on a aussi une industrie nucléaire qui est quand même très développée. On a un centre de recherche qui dans lequel travaillent 800 personnes, donc c'est pas rien. Et on a un truc qui s'appelle le Forum nucléaire belge. C'est un lobby, en fait, c'est une association sans but lucratif, comme on dit chez nous, mais qui gère des millions d'euros par an. Et dans les membres de l'association, on retrouve tout ce qui compte de nucléaire en Belgique, mais aussi Areva, Westinghouse, etc. Donc ils ont des millions d'euros, et avec ça, ils font des très jolis petits films de propagande qui marchent notamment auprès des jeunes. Hi, I'm Vicky. I don't know if anyone wants to translate into French, but I'm from Hinckley in Somerset, and I was really, really interested to hear your presentation, and again, really impressed by the map of the lobby. One of the things that bothers me that I'm thinking about is, how do we as ordinary people find leverage? Because these organisations, their state apparatus, you know, they've got lots of, you know, unending pots of public money that they can use to implement these programmes. And most of us are just ordinary people, you know, concerned about what's going on. So how do we as a community of people opposed to nuclear power and nuclear technology, how do we find leverage? You know, how do we even challenge any of this stuff? It's really complicated stuff for a lot of ordinary people to take interest in, you know? Donc bonjour à tous, je m'appelle Nicky. J'ai été très impressionné par vos présentations et notamment par la carte, cette cartographie du lobby de l'industrie nucléaire. Je souhaitais savoir, nous autres, en tant que personnes lambda, comment est-ce qu'on peut exercer certains leviers pour lutter contre des organisations qui sont souvent étatiques et qui disposent de beaucoup d'argent public pour mettre en œuvre tous leurs programmes. Donc comment est-ce que nous pouvons lutter contre l'énergie nucléaire?
pour monsieur, parmi les associations qui ont participé directement ou indirectement au programme Ethos, quoi, en Biélorussie, puis c'est la question. Alors, je peux citer l'ACRO, Association de contrôle de radio-télé. C'est par l'ACRO en tant qu'association qui s'est mouillé, c'est son président à l'époque, Jean-Claude Autrec, qui était régulièrement présent sur le terrain. Je suis désolé de le dire, moi, j'aime pas trop dire ce genre de choses. Lui était persuadé de faire un bon travail. Bon, et puis d'autres associations plus culturelles, cette fois, de théâtre, de littérature, etc. Mais là aussi, ce sont des associations qui sont intervenues à travers des personnes responsables, je ne parle pas simplement de simples militants. Alors, je n'aime pas trop parler de ça, parce que je n'aime pas tirer dans le dos d'associations. Moi, je suis le représentant d'une association, mais quand on pose la question, je réponds. Voilà. Si on veut répondre à des questions, je pense que une des clés de la réussite, entre guillemets, du nucléaire, c'est le mensonge. Et je crois qu'on est au cœur du sujet quand on parle des mensonges. Ils sont énormes. Ils sont tellement énormes, d'ailleurs, qu'on a du mal à le croire. Hein. Ils sont scientifiques, ils sont techniques, ils sont sanitaires, ils sont économiques, ils sont, etc. Je veux dire, c'est un ensemble. Alors, si on peut, je dirais, les contrer, et c'est ce qu'on essaye de faire modestement, nous, la CRA, c'est évidemment pour qu'on s'en serve du travail que l'on fait. Mais nous, tout seuls, on n'est rien, nous, en tant qu'experts. Il faut qu'il y ait un relais dans la société. Et les associations, les politiques, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais les associations sont un merveilleux relais. Et c'est un atelier qui a lieu en parallèle de celui-là. C'est tout le travail qui a été fait en partenariat avec les associations sur les mines d'uranium en particulier. Là, le dossier a réellement avancé. Alors que c'était un dossier qui était clos, on n'en parlait plus des mines d'uranium. Et bien là, il est redevenu, je ne dirais pas au premier plan, mais en tout cas dans l'actualité, qui fait prendre conscience que le nucléaire, ça commence dans la mine. Pas l'oublier. Vous fermez les mines d'uranium, quelque part, il n'y a plus de nucléaire. Pierre Pégal, du collectif Arrêt du nucléaire et du groupe Chambre dans le cadre. Une petite info, et ensuite, ce qui me paraît plus important, la petite info, c'est que pour éclaircir un peu des points qui ont été abordés aujourd'hui sur les structures internationales, je rappelle le livre d'Yves Lenoir, La comédie atomique, je crois que c'est son nom, que j'ai une citation sur mon nom, il est sorti il y a un an, et ça vaut la peine. Mais quelque chose pour moi qui est plus important, c'est, je ne sais pas quelle suite sera donnée à ce forum mondial, il me semble que ce dont il a été question aujourd'hui est un point essentiel. On se bat contre des choses qui sont bien localisées, la Hague, l'enfouissement, la poubelle nucléaire, les déchets, etc. Mais il me semble que Ethos, qui est la gestion post-accidentelle et qui permet la survie de l'industrie nucléaire mondiale et en particulier française, doit être dénoncée fortement. Et il me semble que s'il y a une déclaration finale qui est faite, il faudrait appeler Ethos, le corps Ethos, comme un crime contre l'humanité, et dénoncer en particulier le rôle du lobby français, de CPN, et de gens comme Gilles Dubreuil et Jacques Lochard. Il me semble que ce serait très important de porter l'accent là-dessus, s'il y a une déclaration finale qui est faite. Oui. Est-ce que Cécile est encore en ligne ? Ah, c'est dommage, je voulais lui poser une question, mais je vais peut-être y répondre moi-même dans ce cas-là, en fait. Parce que, voilà, moi j'étais au Japon, je vivais au Japon jusqu'il y a 6 mois, je suis rentrée en France au mois de mai, et je connais très bien Cécile, on a beaucoup travaillé et milité ensemble, et en fait, je voulais lui demander quelle était en ce moment un petit peu la température du Japon au niveau du militantisme, au niveau des réactions devant le programme Ethos Japon. J'aurais aimé la faire parler sur le sujet, mais en fait, ce que moi j'ai remarqué avant de quitter le Japon, c'est qu'il y a
intimidation systématique des militants. Moi-même, je sais que j'ai été dénoncée dans mon travail par des lettres anonymes pour les activités que je menais, pour dénoncer ce qui se passait à Fukushima, où j'ai beaucoup enquêté. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. Aussi bien des étrangers que des Japonais sur place, on se heurte de plus en plus à ce type de dénonciation violente, des gens qui veulent nous faire perdre notre travail, qui veulent salir notre nom en inventant éventuellement des histoires, et puis qui nous accusent d'empêcher la reconstruction du Japon. Donc ça va très très loin, et c'est dommage que Cécile soit partie, parce que je suis persuadée qu'elle aurait pu compléter ce que je dis là. Et donc, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ces programmes qui se mettent en place. On a l'impression que ça se fait un petit peu doucement, ça se fait avec l'accord des autorités, l'accord à tous les niveaux, local, régional, dans le cas du Japon, et bien sûr gouvernemental. Mais malheureusement, le mal entre aussi dans les esprits des personnes lambda, et les gens sont de moins en moins concernés parce qu'ils sont de plus en plus ignorants de ce qui se passe. C'est-à-dire que cette production de l'ignorance, elle marche vraiment très bien, elle marche à tous les niveaux. Il faut être extrêmement prudent, extrêmement conscient de ce qui est en train de se passer pour nous faire taire. Je suis persuadée qu'en France aussi, il y a énormément de forces et d'organismes, d'organisations qui essayent de procéder de la même manière. Mais heureusement, nous avons... disons une plus longue pratique du militantisme et de la protestation que au Japon, où depuis les années 60, il ne se passe presque plus rien. Et actuellement, les manifestations antinucléaires au Japon, elles sont presque inexistantes, malheureusement, après un gros boom en 2011-2012 jusqu'au début 2013. Donc voilà ce que je voulais vous dire brièvement. Merci. SNP, sortir du nucléaire Paris. J'irai un peu à contre-courant de ce qui a été dit, mais pas... Je suis d'accord, il faut travailler beaucoup là-dessus, mais si le gouvernement ne prenait pas les mesures nécessaires pour une explosion, pour un accident nucléaire, on dirait qu'il a tort. Bon. Disons que le problème, c'est que le gouvernement, enfin les gouvernements, les États, les autorités doivent faire en sorte de pouvoir faire vivre les gens sans qu'il y ait du cannibalisme ou des choses horribles comme on a pu voir dans un film qui a été tourné après la guerre en Angleterre où il y a eu une bombe atomique et puis les gens s'étaient pris au dépourvu. Là, on va apprendre aux gens à vivre avec le risque atomique, etc. Donc le problème n'est pas là. Le gouvernement, il fait son boulot. D'une façon. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le jour où François Hollande a dit on supprime Fukushima, et le lendemain, il a dit on ne supprime pas. C'est-à-dire que le lobby nucléaire est tellement fort qu'on n'arrive pas à lutter contre. Et qu'on n'arrive pas à lutter non plus contre le lobby du tabac, contre le lobby des insecticides, etc., etc. C'est-à-dire que tous ces lobbies qui nous pourrissent la vie, finalement, il entraîne des cancers, il entraîne des maladies, mais c'est à ce niveau-là qu'il faut lutter à l'origine, et c'est pas au niveau des conséquences qu'il faudra bien gérer. Le jour où aujourd'hui on est tous intoxiqués par les produits chimiques et par la fumée du diesel, ben on gère, le gouvernement il gère ça comme il peut, en disant on va vous soigner, il y a 1000 cancers de plus qu'il y a 50 ans, mais bon, c'est comme ça, et puis maintenant on apprend aux médecins à soigner les cancers. Bon. C'est un peu, excusez-moi, je suis d'accord avec vous pour être par ailleurs. Hein. Juste un élément de commentaire, je dirais sur ce que j'avais dit. C'est vrai que la seule leçon des autorités françaises par rapport à Tchernobyl 86, c'est l'ordre à régner. Point. Chez nos voisins, c'était la chienlit. C'est connu. En Allemagne, en Belgique, etc., en Italie, c'était la folie. Chez nous, l'ordre a régné. Et c'est vrai que c'est l'obsession de tout gouvernement de faire régner l'ordre. Sauf que aujourd'hui, avec le plan national de crise d'urgence radiologique, comme dit Colline, on ne parle pas de nucléaire. Une crise d'urgence radiologique, vous savez ce que ça veut dire? C'est un accident grave. Eh bien, ce plan national qui est sorti au printemps 2014,
On le sait en même temps. Je veux dire, c'est surprenant qu'on fasse un plan en 2014 comme si on tombait de la Lune. Eh bien, dans ce plan, si vous le lisez, il est accessible, vous voyez, le plan national de crise de genre pathologique, il est accessible. Vous verrez que, bon, c'est des organigrammes, des services de l'État, comment on se téléphone, machin, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est pas le téléphone qui compte. Pour moi, c'est quelles sont les actions concrètes. Et bien là, on retombe sur l'obsession, c'est il faudra, évidemment, penser à l'ordre public. Mais c'est rédigé d'une manière beaucoup plus ambiguë, parce qu'on voit qu'on va confier ce rôle à l'armée, et on ne parle plus d'ordre public, mais de paix publique. Ça, ça devrait vous rappeler des souvenirs, hélas, la dernière guerre. Vous parlez de paix publique, c'était ça, sous Vichy. Désolé de vous rappeler ça. Je m'appelle Claude Cnus et je viens de Bâle. Je suis membre des IPPNV, des médecins contre l'atome, c'est-à-dire atome militaire, atome énergique. Et je suis oncologue, docteur contre le cancer, maintenant en pension. C'était Colline qui m'a signalé il y a 4 semaines que la CIPRE a son anniversaire, sa réunion dans le Disneyland. Lui, il a dit, est-ce que tu veux y aller? Alors, j'ai cherché des compagnons, il n'y en avait pas, mais j'y étais allé. Hein. Alors, toutes les difficultés qu'on a maintenant écoutées, je peux dire, c'est vrai, il y a le mot discernible. On a aussi entendu aujourd'hui, les maladies ne sont pas discernibles, alors comme ça, on dit qu'il n'y en a pas. Mais pour moi, il était aussi difficile de discerner que les personnes qu'on a maintenant parlé n'étaient pas tellement bien discernibles. Vraiment, sont des maladies, ou est-ce qu'il y a aussi des investigateurs honnêtes? Alors, je peux dire, Colline, ce que tu as dit sur blanc et noir, ça c'est la réalité, et le gris aussi. Certainement, il y a des personnes où j'ai parlé personnellement, professeur Niva. Certainement, il est très, très tendancieux. Alors, j'ai pas pu reconnaître une certaine honnêteté. Mais il y a d'autres personnes, il y a de nouveaux résultats sur des doses faibles. Et j'ai posé la question, quand vous faites la révision des recommandations. Maintenant, la CIPRA, les recommandations, vous avez dit, elles sont respectées comme tout le monde, mais elles basent maintenant sur un document qui vient de 2007. Alors, les travaux dont ils basent sont encore plus vieux. J'ai demandé, maintenant on a beaucoup de nouveaux travaux, quand on va avoir une révision, par exemple. Ça, c'est un message pour vous. Il n'y a pas une révision dans les prochaines années. Alors on est en train de en discuter, mais ce ne sera pas demain. Seulement pour dire un peu, tout le système, c'est pas tellement clair. Samedi matin, on aura un atelier qui parle un peu de ces études. Je pense qu'au médecin, c'est extrêmement important qu'on a les bases de la science. Alors, pour moi, pour décider que la science est la base. Merci beaucoup. Bon, on a que 3 minutes, donc s'il y a une question, je vous prendrai. Si,
excuse, je ne me lève pas. On a prononcé des mots comme Moutadis, Locha et autres. Et peut-être il faut les situer quand on passe de Tchernobyl à Fukushima, on retrouve ces noms, ces personnalités, cette autorité de l'OCHA et de son organisme qui dépend totalement du nucléaire français. Et j'aimerais juste vous dire que le grand projet de l'OCHA a été ETHOS et il a transféré bien entendu au Japon pour apporter les mêmes avantages. ETHOS a eu une période de 6 années qui a abouti à un résumé, une conférence avec les ambassadeurs de tous les pays du Bélarus, avec toutes les personnalités possibles. Et c'était une très bonne conférence. Du reste, on m'avait annoncé au Lagnon le professeur d'agriculture qui avait travaillé me l'a dit quand on s'est croisé à Paris. On a fait du bon boulot. Virgule, mais les enfants sont de plus en plus malades. Un point. Alors, le bilan d'ETHOS s'était à Stoline, qui est dans la région où avait sévi l'OCHA pendant cette période et avait exclu Nesterenko. Et le bilan a été présenté d'une façon ravissante avec des photos, des films, des entretiens avec les familles, avec les enfants. C'était très joli. Et la partie la plus importante qui m'intéressait, c'était le bilan sanitaire. Le bilan sanitaire donné à la main, à la fin, et contrairement aux autres présentations, n'avait ni traducteur du russe dans les autres langues, ni projection, il n'y avait plus rien. Et cette personne est venue, c'était une doctoresse pédiatre. On avait suivi ses 6 années en tant que pédiatre responsable des enfants et qui est venu sur un petit papier écrit à la main que personne n'a vu dans la salle, personne n'a pu les voir, et qui a résumé la situation le mieux possible et que personne n'a compris, bien entendu. Je me suis permis le luxe de la saluer à la sortie. J'aimerais voir vos tableaux. Et ces tableaux n'étaient pas très compliqués. Ils montraient que dans les 6 années, tous les paramètres médicaux s'étaient détériorés sous l'effet d'ETHOS. Les malformations, la naissance, un des chiffres les plus stupéfiants, c'était la multiplication par 10 du nombre des enfants qu'il avait fallu envoyer à l'hôpital. Donc, des enfants avec une affection grave qu'une pédiatre ne pouvait pas gérer sur place. Et d'autres situations de ce genre, très graves et assez faciles à comprendre. Le rapport est venu, que l'OCHA a publié sur du papier glacé, coloré, c'était très beau, et il manquait qu'une chose, c'est le rapport médical. Alors j'ai écrit à l'OCHA, je lui ai dit, mais où est le rapport médical? La réponse a été simple, ce rapport nous est venu, mais les autorités ont considéré qu'il n'était pas compréhensible. Elle parle une langue qui n'a pas été comprise. Bon, sans doute est-ce difficile, mais quand le nombre des hospitalisations se multiplie par 10, on n'a pas besoin d'être un savant pour se rendre compte que ce sont des situations coûteuses
pour une population, pour des enfants, pour la scolarité, etc. Et tout à l'avenant. Eh bien, ça a été censuré intégralement. Et ça n'empêche pas qu'Ethos est devenu un modèle utilisé au Japon. Merci. Bon, je crois qu'on arrive à, au temps. Je voudrais juste dire un mot pour finir cet atelier, puisque finalement, on n'a pas tellement pu répondre à certaines questions qui ont été posées lors de ces dernières minutes. Je pense que ce qui est très important, c'est si vous êtes, vous avez été vraiment choqué de ce que je vous ai présenté comme réseau de lobby nucléaire international, si vous en doutez beaucoup leur légitimité, je pense que c'est important que vous participiez à la création de réseau international anti-nucléaire dans lequel on pourrait éventuellement échanger et réfléchir ensemble une stratégie pour éradiquer la mainmise de lobby nucléaire international. Surtout, par exemple, la CIPR, c'est une association de association qualitative. Ce n'est pas une organisation publiquement reconnue de l'intérêt général. C'est une association 1901 et qui domine une petite, donc le lobby, vraiment le lobby et associatif qui prennent un pouvoir énorme auprès de l'Organisation des Nations Unies, et c'est eux qui dominent, c'est eux qui décident tout seuls les seuils, les normes de dose internationales qui est complètement en dehors de contrôle de tout le peuple qui pense que c'est, le nucléaire est dangereux. Alors, il faudrait y légitimer toutes ces organisations comme la CIPR ou bien INSTEER. INSTEER, c'est une commission des scientifiques envoyée par chaque pays adhérent de l'ONU. Mais nous, les gens ordinaires, ils ne savent rien de ce qui se passe lors des réunions de INSTEER. On ne sait rien du tout, même si NERIS plateforme a été créée. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent de la Commission européenne? On ne sait rien. Alors, tous les projets dérivés, inventés par le réseau de NERIS, CEPR, CEPN, ce sont des projets complètement en dehors de contrôle, de contrôle démocratique des pays, et on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Alors, eux, ils se préparent réellement, ils attendent même un accident majeur en Europe. Donc, se préparer à un accident majeur, c'est un scandale. Pourquoi ils ne disent pas arrêtons le nucléaire? Arrêtons le nucléaire tout de suite, parce que un accident majeur, c'est incontrôlable. C'est pas possible d'accepter tous les dégâts sanitaires, sociaux, économiques. Ce n'est pas un risque comparable avec d'autres risques naturels ou artificiels. Ce n'est pas des cancers de tabac ou d'alcool. Donc, comparer des risques de l'accident nucléaire avec d'autres risques, c'est ridicule. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait il y a 3 ans à Sendai, et un symposium international qui parlait de risques planétaires. Sendai, qui se trouve juste à côté de Fukushima, sans parler Fukushima, n'est-ce pas? Donc c'est extrêmement aberrant comme affaire. Donc ce genre d'organisation qui se fait
en dehors de nos contrôles, en dehors de nos critiques, en dehors de débats démocratiques dans les parlements, dans des commissions démocratiques. Donc il faudrait réfléchir chacun comme si ce sont des choses qui se passent hors de portée de nos droits, nos souverainetés démocratiques. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Juste pas de choix, maintenant on arrête, à moins de vouloir payer quelques grosses multinationales, ça ne sert plus à rien. Ça coûte trop cher, c'est dangereux, et militairement c'est inutile. Donc maintenant la seule décision pragmatique, c'est on arrête le nucléaire au plus tôt.